Eh bien bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi pour ma part ça va super. Aujourd'hui nous allons construire une grande maison moderne dans Minecraft. Alors en espérant que la construction vous plaira, n'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche, c'est super important. Comme ça vous recevez toujours une notification à chaque fois que je poste une vidéo. Alors pour cette vidéo nous allons construire une grande maison constituée de 2 étages. Et elle est très simple à construire, vous allez voir ça. Il suffit simplement de bien suivre mes instructions et tout devrait bien aller. Donc les gars, après l'intro, on se retrouve directement pour la construction. Alors pour commencer, vous allez ouvrir votre inventaire et vous allez prendre des planches en chaîne, des escaliers en chaîne, des dalles en chaîne, des blocs de quartz, des escaliers en quartz, des dalles de quartz, des vitres noires, des vitres bleu clair et des portes en chaîne. Alors vous allez commencer par prendre les blocs de quartz et vous allez commencer par placer 13 blocs l'un à côté de l'autre. Maintenant vous allez venir sur le côté de la maison et vous allez rajouter 10 blocs. Maintenant pour l'arrière de la maison, vous allez rajouter 32 blocs. Maintenant pour l'autre côté de la maison, vous allez rajouter 27 blocs. Maintenant vous allez venir à l'avant de la maison et maintenant vous allez placer 9 blocs. Maintenant en arrière du dernier bloc, vous allez rajouter 8 blocs. Maintenant vous allez venir juste à côté du dernier bloc et maintenant vous allez placer 10 blocs l'un à côté de l'autre. Et maintenant c'est très simple, vous allez tout simplement relier le tout ensemble. Et voilà, nous avons la base de la maison de fait. Maintenant, avant de continuer quoi que ce soit, vous allez tout simplement remplir l'intérieur toujours avec des blocs de quartz. Et voilà, maintenant que la base est terminée, vous allez venir sur les coins de la maison et vous allez rajouter une hauteur de 4 blocs pour avoir une hauteur de 5 blocs en tout. Alors vous allez faire ça tout autour de la maison. Et maintenant après ça, ce que vous allez faire, vous allez venir juste ici. Et là, vous allez compter 3 blocs d'espace. Donc 1, 2, 3. Et vous allez faire la même chose. Donc vous allez rajouter 4 blocs de quartz. Voilà. Et là, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement relier le tout ensemble. Toujours avec des blocs de quartz. Et voilà, donc nous avons la maison de fait, en tout cas le premier étage, ou presque. Donc là, ce que vous allez faire, ici en fait, vous allez enlever les 3 blocs de quartz. Ici, nous allons avoir l'escalier de la maison pour pouvoir monter et descendre au deuxième étage. Et ici, nous allons avoir l'entrée du premier étage de la maison. Alors pour ça, ce que vous allez faire,
Ici, vous allez fermer ça avec des blocs de quartz pour faire un mur comme ceci. Et là, vous allez venir juste ici. Et là, ce que vous allez faire, vous allez décaler d'un bloc vers l'intérieur. Vous allez prendre les planches de chêne et vous allez placer 3 planches. Maintenant, vous allez compter 2 blocs d'espace et vous allez placer encore une fois 3 planches. Maintenant, vous allez compter 2 blocs d'espace et vous allez placer 3 planches. Maintenant, ici, vous allez prendre la porte. Vous allez en placer 2 comme ça de l'intérieur. Et juste par-dessus les portes, vous allez placer 2 escaliers en chaîne comme ça. Voilà. Et là, ce que vous allez faire, vous allez venir de ce côté. Vous allez prendre les planches de chaîne. Et là, ici, vous allez décaler d'un bloc vers l'intérieur. Vous allez placer 3 planches. Et là, vous allez venir juste ici. Et vous allez placer 3 autres planches. Et là, ici, ça, vous allez garder ça comme ça. Parce qu'après, nous allons placer des vitres bleu clair pour faire des fenêtres. Et là, ici, ce que vous allez faire, même chose. Donc, vous allez garder ça comme ça. Et vous allez placer 3 planches juste ici. Voilà, je préfère avoir des grandes fenêtres pour le premier étage de la maison. Et ici, vous allez décaler d'un bloc vers l'intérieur, vous allez placer 3 planches. Vous allez compter maintenant 3 blocs d'espace et vous allez placer 3 planches. Et maintenant, vous allez compter 2 blocs d'espace et vous allez placer 3 planches. Là, ce que vous allez faire, vous allez venir juste ici sur le côté et vous allez placer des blocs de quartz pour faire un mur. Pour l'arrière de la maison, ici, vous allez rajouter 1, 2, 3, 4, 5 blocs de quartz que vous allez rallonger comme ça. Et là, vous allez prendre les planches de chêne. Vous allez décaler d'un bloc vers l'intérieur et vous allez placer 3 planches. Maintenant, vous allez compter 2 blocs d'espace et vous allez placer 3 planches. Maintenant, vous allez compter 3 blocs d'espace et vous allez placer 3 planches. Et après ça, vous allez reprendre les blocs de quartz. Et pour le reste, vous allez fermer ça pour faire un mur. Alors, vous allez voir les gars, la maison, elle est très très simple à faire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander dans les commentaires. Je vais m'assurer de vous répondre. Maintenant, de ce côté, ce que vous allez faire, c'est très très simple. Alors, vous allez prendre les blocs de quartz. Et vous allez tout simplement fermer ça au complet jusqu'à ce que vous arrivez ici. Alors ici, ce que vous allez faire, vous allez prendre les planches de chêne, vous allez placer 3 planches, vous allez compter 4 blocs d'espace, vous allez placer 3 planches, vous allez compter maintenant 3 blocs d'espace et vous allez placer 3 planches. Et là, voilà, pour le reste, vous allez placer des blocs de quartz. Et maintenant, il suffit tout simplement de prendre les vitres bleu clair et vous allez fermer toutes les trous pour faire les fenêtres de la maison. Maintenant, ce que vous allez faire ensuite, vous allez prendre les blocs de quartz et vous allez tout simplement séparer ça avec l'arrière de la maison. Et là, ici, vous allez fermer ça au complet avec des blocs de quartz pour pouvoir faire le deuxième étage juste par-dessus. Et voilà, nous avons le toit du premier étage de la maison de fait. Et là, je viens de remarquer que j'ai oublié de faire les fenêtres juste ici. Alors, je vais les faire vite fait. Alors les gars, n'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas également à me donner une note sur 10 dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez de la maison au final. Moi personnellement, vraiment les gars, j'adore cette construction. Alors pour continuer, ce que nous allons faire. Ici, nous allons faire l'escalier. Donc ce que nous allons faire, on va séparer ça ici avec des blocs de quartz. Et maintenant après ça, nous allons prendre des escaliers en quartz.
nous allons enlever les blocs de quartz, nous allons remplacer ça par 3 escaliers. Et là, nous allons monter au fur et à mesure comme ça. Donc, nous allons placer 3 autres escaliers. Maintenant, vous allez prendre les dalles de quartz et vous allez en placer 6 comme ça, juste pour alterner. Et là, vous allez replacer 3 escaliers en quartz. Et maintenant, cette fois-ci, vous allez placer 3 dalles de quartz. Et là, ensuite, vous allez replacer 3 escaliers en quartz. Excellent. Et là, vous allez prendre maintenant les dalles de quartz que vous allez placer juste ici. Donc, vous allez en placer 9 cette fois-ci. Et là, vous allez enlever les 3 blocs ici et vous allez remplacer ça par 3 dalles de quartz. Et nous avons l'escalier de la maison de terminé. Et là, bien évidemment, ici, on peut toujours jouer avec ça pour donner un style. Voilà, on peut garder ça comme ça. Et là, ce que nous allons faire ensuite, vous allez prendre les planches. Vous allez venir juste ici et vous allez compter 8 blocs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs. Et là, vous allez placer 1, 2, 3, 4 blocs de quartz. Voilà. Et maintenant, ce que vous allez faire, vous allez rajouter 18 blocs. Et vous allez faire la même chose, donc vous allez rajouter une hauteur de 3 blocs par-dessus. Excellent. Et maintenant, juste à côté ici, vous allez rajouter 14 blocs. Et vous allez également faire la même chose, donc vous allez rajouter 3 blocs par-dessus. Voilà comme ça. Et là, ce que vous allez faire, vous allez rajouter 8 blocs en avant de la maison. Et maintenant, en arrière du dernier bloc, vous allez placer 7 blocs. Excellent. Et là, ce que vous allez faire, vous allez rallonger ça de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blocs. Et vous allez relier maintenant le tout ensemble. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez venir juste ici et vous allez rallonger ça jusqu'au sol. Et vous allez faire la même chose juste là. Excellent. Maintenant, vous allez prendre les planches de chêne. Vous allez décaler d'un bloc vers l'intérieur. Vous allez placer 3 planches. Même chose juste ici. Vous allez placer 3 planches. Et là, vous allez venir de ce côté. Vous allez placer 3 planches juste là. Voilà. Et là, ici, vous allez placer 3 planches que vous allez rallonger comme ceci, voilà. Et là, juste là, nous allons faire la porte. Donc, vous allez placer 3 planches, vous allez laisser 2 blocs d'espace et vous allez placer 3 autres planches. Et vous allez placer 2 portes de l'intérieur et juste par-dessus les portes, vous allez placer 2 escaliers. Et là, vous allez prendre les vitres bleu clair et nous allons faire les fenêtres de la maison. Ça rend très très beau et en vrai ça me tente de rajouter peut-être une fenêtre ici sur le côté. Donc on va peut-être enlever les blocs ici. Et là voilà, on va rajouter 3 planches, peut-être garder 4 blocs d'espace et rajouter 3 autres planches. Voilà, une fenêtre sur le côté de la maison, pourquoi pas. Et là, bien sûr, pour le toit, vous le savez déjà, on va fermer ça avec des blocs de quartz. Et voilà, nous avons le deuxième étage de la maison de terminé. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? En vrai, moi, j'aime beaucoup. Et là, ici, ce qu'on peut rajouter, on va placer
des dalles de quartz, comme ça, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dalles comme ça, que nous allons rallonger jusqu'ici, voilà. Et là ici, nous allons placer des dalles au milieu, tout en laissant un bloc d'espace les uns des autres. Ça rend stylé en vrai, et nous allons prendre une barrière que nous allons placer juste ici sur le côté. Ça rend beaucoup mieux, et là nous allons prendre les vitres noires et nous allons tout simplement faire tout le contour pour faire un grand balcon. Et vous allez faire la même chose à l'arrière de la maison. Et vous allez rallonger ça juste ici, à côté de l'escalier. Et voilà. Merveilleux. En vrai, moi, personnellement, j'adore. Et là, ici, nous allons laisser un bloc d'espace et nous allons placer trois blocs. Un bloc d'espace, trois blocs, un bloc d'espace et trois autres blocs. Et là, ce que nous allons faire, ici, nous allons enlever les blocs d'herbe pour faire un petit lac. Ça rend très stylé, je trouve, en avant de la maison. Alors pourquoi pas? Moi personnellement, je préfère en faire une petite comme ça sur le coin. Par contre, si vous voulez une plus grande, n'hésitez pas. Alors là ici, vous allez enlever les blocs de terre aussi et vous allez remplacer ça par des blocs de quartz. Et vous allez également enlever le plancher et vous allez remplacer ça par de la laine de bleu clair. Maintenant, pour finir, vous allez prendre un seau d'eau avec des nénuphars. Et voilà, nous allons remplir la piscine ici au complet avec de l'eau et nous allons placer des nénuphars comme ça aléatoirement. Alors faites comme vous voulez. Voilà, très très beau. Et là sur le côté ici, nous allons prendre des enclumes avec des feuilles de chêne. Et ici, vous allez laisser un bloc d'espace, vous allez placer une enclume, un bloc d'espace, une enclume, un bloc d'espace et une enclume. Voilà. Ou en fait, on va plutôt garder deux espaces et nous allons placer les feuilles de chêne par-dessus les enclumes. Et vous devriez avoir quelque chose comme ça. Et nous avons littéralement la maison de terminée. C'est aussi simple que ça. Alors je vous fais un beau 360 degrés, dites-moi ce que vous en pensez. Et ici d'ailleurs on peut toujours rajouter de la décoration. Alors vraiment les amis, faites comme vous voulez. Moi personnellement, je préfère rajouter un peu de végétation ici à l'arrière, juste pour remplir l'arrière de la maison. Et je vais prendre également de la poudre d'os pour placer de l'herbe. Magnifique. Bien sûr les amis, vous pouvez toujours placer des arbres sur le côté, des herbes. Alors faites vraiment comme vous le sentez. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la maison vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu, ça aide énormément. N'hésitez pas également à la partager avec vos amis. Activez la cloche, abonnez-vous, c'est super important. Et les amis, n'hésitez pas à me donner une note sur 10 dans les commentaires. Et si vous avez des suggestions de vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire également dans les commentaires. Sur ce les amis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Iremi Gaming.